qui ont été faites uniquement sur le réseau social VK France. Donc, je vous invite à vous y inscrire. Sur votre moniteur de recherche, vous tapez le V, le K, France, parce que si vous marquez pas France, vous l'avez en russe. Vous vous inscrivez, vous recevez sur votre numéro de téléphone portable un appel. Il faudra juste que vous écriviez les 4 derniers chiffres de l'appel que vous allez recevoir pour valider votre compte. Et ce réseau social est très, très, très protégé. Et en plus de ça, bah, du coup, vous pouvez un peu dire aussi ce que vous avez envie de dire sans que vous soyez censuré. Donc, je continue les prédictions que j'ai faites sur VK France, dont certaines personnes n'ont pas eu accès. Donc, nous continuons avec la voyance du 25 février 2021. Violence et crimes entre les adolescents. Il va encore y avoir des attaques, des violences. Il y a des projets de loi à l'étude, mais il y a un coup d'accélérateur qui va partir en sucette. Les solutions sont devant leurs yeux, mais ils ne veulent rien faire. Un homme politique qu'on entend et on ne voit pas souvent, c'est son projet de loi qui va être validé. Ça va déranger, mais c'est le seul recours. Et c'est pour éradiquer la violence urbaine. Les gens qui ne seront pas en règle seront renvoyés chez eux, ceux qui ne respectent pas la loi également. Une fois les textes de loi validés, les départs vont se faire sans retour possible et après ça, ira beaucoup mieux. La loi Avia ressortira, mais avec des modifications une première fois et recorrigée une seconde fois, car vise de forme. L'armée ressort. C'est soit le service militaire qui est de retour, soit l'armée prend en main les adolescents comme une maison de correction. L'armée va prendre les choses en main. Ce qu'il se passe actuellement sur Mars avec le robot qui a été déposé est faux. Il y a quelque chose, mais ce n'est pas sur Mars. Les surmériens ressortent. Le poste du 28 février 2021. Un iceberg de la taille de Paris se détache de l'Antarctique, Vigny l'avait prédit lors d'une voyance. Ça, vous le trouvez, ça s'est passé quand même la semaine dernière, c'est frais. Hein. Donc, je l'ai prédit le 28 février, c'est arrivé la semaine dernière. Poste du 5 mars 2021, catastrophe naturelle. Vigny l'avait prédit lors d'une voyance. Au Chili, la mer s'est retirée des plages, risque de tsunami. Voyance du 12 février 2021. Les personnes qui abusent de leur pouvoir vont avoir un coup de poignard dans le dos. Ils vont être contrecarrés. Tout ce qui se prépare en ce moment sur le temps à venir, temps très court, est nécessaire, que cela soit positif ou négatif. Plus il y a de négativité, plus ils s'enfoncent. Ils n'auront plus d'arguments. Ça va venir du médical. Voyance du 12 mars. Ben, regardez ce qui s'est passé avant-hier avec Didier Raoult. Hein. Voilà, la perquisition, non, il y a 3 jours. Voilà, ça va venir du médical. La banque en Chine va céder. Il y a beaucoup d'eau. Le barrage en Chine va céder. Il y a beaucoup d'eau, mais pas beaucoup de monde. Et c'est bien le barrage des Trois Gorges. Quand le barrage sera sur le point de céder, Vigny aura ressenti une odeur dans le nez. Ça doit arriver, c'est une obligation, ça doit se faire ainsi. Poste du 14 mars, c'est une capture d'écran sur ce qu'il y avait été prédit il y a un an. Vous avez peut-être la possibilité de l'imprimer. Voyance du 23 mars 2021. En mai 2020, Vigny avait prédit qu'il y en aura deux dans pro-vaccin, port du masque, clan anti-vaccin, port du masque. Et là, on est en plein dedans. D'autres volcans vont entrer en éruption. L'Islande, qui était au mois de mars d'actualité. Des autopsies, bah tiens donc, c'est sorti hier dans un journal. Vigny avait prédit sur YouTube que les vaccins ne pourraient pas faire, que les vaccinés ne pourront pas faire des dons d'organes et donner leur sang. Normalement, alors c'est vrai qu'il y a
des associations, des centres médicaux qui demandent du sang, vacciné ou non vacciné, alors qu'il y a un protocole sanitaire qui interdit aux gens vaccinés de donner leur sang. Voilà. Mais encore une fois, ils passent outre ce qui a été préconisé. Confirmation aujourd'hui. Tirage. Le positif est au-dessus du négatif. Trump revient, il est derrière la porte. Les personnes qui vont se faire vacciner seront des personnes à suivre au niveau médical. Ils vont subir des inconvénients. Ça va jouer sur leur physique, leur morale, le professionnel. Ils seront des personnes à part. Ils seront suivis de très près par la médecine. Tout va être mis dans la lumière. La clé de voûte vient de la médecine. Donc voilà, donc c'est bien le 23 mars que j'ai dit que la clé de voûte, pour la clé de voûte du médical. Nuremberg 2 va commencer et tout sera bien ficelé. Donc j'ai mis le mot Nuremberg parce qu'on n'avait que ce terme-là au niveau de Nuremberg qui a été annoncé et de part des médecins et de part des juristes et de part des avocats, mais ça ne s'appelle pas Nuremberg. Voilà, donc je préfère le remettre dans l'ordre parce qu'on va encore me scinder. Nuremberg, ça ne va pas se faire. Si, ça va se faire, mais ça ne s'appelle pas Nuremberg. C'est encore autre chose. On aura libre choix de savoir comment on a envie de se soigner. Médicaments, plantes, vaccins. Grâce à Trump, on va tout savoir sur le virus, où, comment et pourquoi. On va déterrer les morts des... Eh bien, si je ne comprends pas le mot qu'il a marqué. Je ne comprends pas. Poste du 31 mars 2021. Il rallonge les vacances. Prédiction faite précédemment. Les vacances du mois d'avril, qui a été faite le 31 mars. Voyance du 1er avril 2021. Voyance exceptionnelle. Vigny est partie très, 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 très loin dans l'univers. Elle a été frappée par une émotion que je n'ai jamais vue lors de ses nombreux tirages. Waouh! Alors, tirage général. Papiers officiels vont être déboîtés. Les gens vont forcément parler ou échanger, vont avoir les mêmes idées. Plein de petites lumières qui s'allument comme ça partout dans le monde, ça fait des lucioles. Deux cartes, fusion, adversaire et fusion, sont sorties du tirage. Le bien recouvre le mal, l'attaque de la lumière contre le noir, ça touche toutes les grosses entités. Il y a une forme juridique et céleste sur les deux cartes. Les choses vont être claires, avec les vraies données. Ils vont essayer de tout faire pour s'en sortir, mais derrière, il y a l'accusation. Il y a... Dans un peu de temps, des mouvements politiques qui apparaissent, peut-être la création d'un parti politique. Vigny entend le mot phonique. Ça ne sera pas visuel. La carte boucle d'Isis sort, bienveillance, mère de l'enfant, maternité, réflexion, analyse. La carte fleur lotus sort. Elle pousse dans la merde. Mais c'est vrai, le lotus pousse dans la merde. Hein. À vous. Gna 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 de ce que cela signifie. Gérard, la prochaine fois, essaye d'écrire mieux, s'il te plaît. Sois très gentil, mais essaye d'écrire mieux. Les outils sont... On est en train de construire l'avenir de demain, la politique, le devenir de demain. On met les choses à plat. La clé de Hank sont... Clé du paradis, on trouvera de l'énergie gratuite, entre parenthèses Tesla. L'énergie de Tesla reviendra, mais différemment et sous un autre nom. La banque, un bateau dans le ciel. À nous d'interpréter. Vigny a les yeux qui pleurent, elle est très émue. On lui dit de se taire car la signification de ce bateau dans le ciel, au vu de sa très grande émotion, je ne peux qu'imaginer que cela soit une beauté assez rare et magique, mais bon, c'est mon ressenti. Bon allez, on revient sur le tirage de Vigny. Je vous ai mis le petit mot de rare. La carte Sphinx, à nous de faire des recherches sur les pyramides moins connues. Alors les pyramides moins connues, vous en avez en Égypte, certes. Mais vous en avez en Chine, en Mongolie. Bon, vous connaissez les pyramides des Mayas. Mais il y en a aussi en Russie, dans des lacs, dans la mer. Allez chercher. Vous allez juste en Potepo à l'Océanie, où se trouvent toutes les pyramides du monde, hormis les pyramides en Égypte. Tapez cette phrase sur Google. Bonne journée, parce que vous en avez pour la journée. Bonne journée. Après, à la fin de la vidéo, pas maintenant, partez pas, restez, c'est pas fini.
Tirage France. Le vaccin va mal se passer pour une personne. Tribunal. C'est la fin. Toutes nos prières, nos demandes prennent effort. De plus en plus de personnes sont dans l'interrogation sur la situation. Une personne, un mouvement fait front au gouvernement, mais ça ne sera pas un parti politique avec des politiciens, mais avec des simples citoyens. On va pouvoir vivre normalement. Changement total de stratégie. La clé de voûte se trouve à l'hôpital, secteur médical. Ne pas s'inquiéter, on est protégé. Merci Vini pour ce magnifique tirage. Il m'a fait un grand smiley. Poste du 2 avril 2021. On se rapproche. Au Brésil, on déterre des morts pour faire la place aux victimes du virus. Prédiction lors d'un tirage. Alors ça, vous pouvez le retrouver. On a déterré des cadavres, des cercueils et des urnes pour enterrer les nouveaux morts. On les a enlevés sans demander l'accord aux familles. Vous pouvez trouver cet article sur Internet aussi. Poste du 10 avril. Vigny avait vu le chiffre 17 et 21 pour avril lors du tirage. Aujourd'hui, confirmation, le 17 avril, enterrement du prince Philippe. Le 21, la gare de London Bridge évacuée par la police et l'armée. Poste du 11 avril à 18h48, il a marqué l'heure. Prédiction 2017 par Vigny, c'est pas sur VK, vous pouvez peut-être l'imprimer. Poste, prédiction pour 2014, prédiction 2014, mise en ligne le 26 août 2013. Donc, prédiction pour l'année 2014. Retournement du camp de Manuel Valls. Vote de loi à l'encontre des attentats du peuple français. Des attentes du peuple français. Maladie ou attentat sur Hollande. 3 jours de deuil sur la Grande-Bretagne. Révélation d'un très lourd secret. Monsieur Tapie encore à la une des médias. Beaucoup de manifs en France, Paris en feu, plan Vigipirate en alerte rouge, catastrophe ferroviaire, crash d'un avion dans le Pacifique, beaucoup d'eau en France, ça déborde, Lourdes ne sera pas épargnée, problème de crise alimentaire sur une boisson sucrée, grippe importante et douloureuse. Le 26 Août 2013. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. 7 ans avant. 7 ans avant, j'ai prédit le coronavirus, sans savoir que j'ai parlé du coronavirus. Découverte d'un astéroïde, tremblement de terre en Chine ou au Japon, nouveau scandale judiciaire, bavure importante. Ça vous rappelle rien? Nouveau scandale judiciaire, donc bavure importante. Hein. Front National monte en flèche dans les grandes villes françaises. Découverte d'un très grand trafic d'armes. La Belgique fera parler beaucoup d'elle. Annulation de concerts importants. Bon, c'est pas ce que ça passait en 2020. Dis donc, 2013. La Belgique fera beaucoup parler d'elle. Excusez-moi, je reviens au-dessus. Collaboration entre Mercedes et Renault. Beaucoup d'attentats en France et dans le pays du Maghreb. La Russie en guerre froide avec les pays tchèques. Bon, c'est pas un petit peu ce qui est en train de se passer en ce moment, là? 7 ans avant, je l'ai prédit ça. La demande d'indépendance d'une île française. Ça a été fait. L'hiver sera en retard, neigeux, le printemps sera pluvieux. Bon, ça, c'était l'année où j'ai fait la prédiction pour 2014, c'est arrivé en 2014. Vini, voyance du 18-11-2016, postée le 15 mars 2017. Vous pouvez peut-être l'imprimer. Ça se trouve sur vinivoyance.com. Parce que... C'est pas l'heure, c'est à 10h. Poste du 12 avril 2021. Incendie d'un mouvement de Saint-Pétersbourg. Prédiction sur un bâtiment qui brûlait avec un pont et de l'eau qui passe dessus. C'est arrivé aussi. Poste du 13 avril 2021. Benalla renvoyé en procès pour les violences du 1er mai 2018.
Encore une prédiction. Oui, Virginie, mais elle est occupée. Zut, Vinnie, il en a marre de vos prédictions. Sois encore juste, lol. Allez, pas de soucis. Voyance du 25 avril 2021. Alors, vous m'avez fait rire sur cette voyance. On commence par une voyance très sérieuse. Pris d'un seul coup, Vinnie part dans des explications sur les fruits de saison et le bio. Du sang pour la manif du 1er mai, danger sur une femme, une fonctionnaire de police blessée sur un membre supérieur ou inférieur. Vinnie pense que c'est les jambes, mais sans certitude. Vous pouvez retrouver, effectivement, il y a une policière qui a été blessée à la jambe. Le mot essai clinique. Sont sans législation, sans accord, sans légalité. C'est organisé et orchestré pour mettre la pige. Preuve du contraire. Essai clinique. Vinnie nous demande de retenir la rivière, le Nil, ou une personne s'appelant Nils. Où il y a le mot Nil, elle ne sait pas. Vinnie voit une scène lors d'un tribunal et une personne dit « On ne peut pas affirmer à 100% que le décès est lié au Covid ». Une collaboration va se faire entre deux parties, deux pays, complètement différents. La médecine au niveau des plantes va prendre le dessus et c'est un lien avec les essais cliniques. Tribunal de Nuremberg, entre parenthèses parce qu'on a donné ce nom-là, se met en place et concerne tous les pays. On va avoir des signaux venus de l'univers et ça va faire des interférences. Bah, dis donc, c'est pas ce qui est arrivé la semaine dernière, ça ? Hein, dis ? Macron est mal barré, ça pue le caca pour lui et ses collaborateurs car il y a la carte Libération. On va sortir les dossiers sur les morts dues ou liées au Covid. Moi, il y a eu une autopsie qui a été faite dernièrement. C'est pas très très vieux, j'ai partagé le post hier sur VK. Les cartes ont parlé de Nuremberg, entre parenthèses, univers, gouvernement. Est-ce qu'il y a un lien ? Oui. Macron va être jugé ? Oui. Ça va taper du poing ? Oui. USA, la supercherie va être dévoilée. Bah dis donc, ils n'ont pas validé justement qu'il y a eu supercherie déjà dans un État et que tous les autres États, bah du coup, ils font exactement la même chose. Hein, dis. Il va y avoir des condamnations. Pour ceux qui sont sur VK, j'ai partagé un post il y a 3 jours, justement, où une personne a demandé, via l'audit, à Joe Biden de se positionner. Et s'il ne se positionnait pas, vous préférez quoi ? L'humiliation ou la prison ? C'est quand même quelqu'un de très haut placé au niveau militaire qui lui a balancé ça. Voilà, bah, on continue. Le nettoyage du Deep State prendra encore 3 ans. Il va y avoir une petite période de froid cet été. Bon, là, on est mal barré. Là, on est en canicule. Question sur Sarah Halimi. Va-t-il y avoir une justice ? Ça prendra du temps. L'OTAN qui ressort, l'OTAN va s'en mêler. Une condamnation sera donnée. Elle sera très importante. Il va y avoir une procédure sur la justice française. Donc, c'est-à-dire la justice française va être jugée par un pays extérieur. Des juges étrangers vont juger notre justice. Tout est en train de se mettre en place. On a fini le paquet. N'oubliez pas, il y a le second. Voilà. Donc le second, est-ce qu'il est jugé ? Ouais, je vous le ferai aussi. C'était des questions qu'on m'avait posées, j'avais répondu. Donc, je vous le ferai. Donc, demain, vous me revoyez, hein, donc pendant un petit moment, 10 minutes, un quart d'heure, pour vous faire la lecture du résumé que Gérard a fait de mes voyances. Voilà. Je vous embrasse. Je vous fais un gros bisou. Évidemment, ben, toutes mes voyances, quand vous pouvez le constater, et comme dirait une certaine personne, ça se prouve. Non, voilà. Ben, là, je pense que l'épreuve, vous en avez plus qu'à l'appel. Encore plus de retours. Et pour celles et ceux qui sont persuadés encore à l'heure d'aujourd'hui, parce que j'ai encore des attaques en ce sens, que mes prédictions, je les trouve dans les posts de Q, ben, essayez de me trouver certaines prédictions dans les posts de Q, ben, notamment l'iceberg, là c'est plus flagrant que ça, on ne peut pas. Et surtout, le bateau qui bloquera la mer. Voilà. Est-ce que vous l'avez trouvé dans les postes de Q, le bateau qui bloque la mer, que j'ai rigolé, j'ai dit « Ah, c'est impossible ». Ben oui, ça a été le bateau qui du canal de
Comment il s'appelait le bateau qui a été mis à, qui a bouché le canal? Le green machin là. Voilà, ben c'est le grand bateau, voilà. Voilà, maintenant que le roi d'Égypte a demandé perquisition pour vérifier tous les conteneurs. Voilà. Merci de Suez. C'est ça, le canal de Suez. Allez, je vais vous faire des gros bisous et puis je vous embrasse et puis je vous dis à demain pour la suite des prédictions de VK. Tralala. N'oubliez pas, pour vous inscrire sur VK, c'est VK France. Vous remplissez comme pour tous les autres réseaux sociaux, votre nom, votre prénom, votre adresse mail et votre numéro de téléphone. Vous validez, vous recevez sur votre numéro, sur votre téléphone portable un appel qui vient de l'étranger. Vous écrivez dans le petit carré les quatre derniers chiffres du numéro de téléphone qui va s'afficher, qui vous appelle. Vous validez et ça vous ouvre votre VK France. Si vous ne marquez pas VK France, vous marquez juste VK. Mais pas de bol pour vous, vous avez VK en russe. À part si vous voulez apprendre le russe. C'est une bonne méthode pour apprendre le russe. Voilà. C'est pas très compliqué à s'inscrire sur VK. Après, il faut juste chercher. Et c'est pas la peine de me demander de vous donner des cours. Je n'ai pas le temps. Voilà. C'est pas possible. Donc, essayez de voir une personne physique pour vous inscrire sur VK ou essayez d'échanger entre vous, donc par mail, par numéro de téléphone, pour essayer de comprendre comment vous faites. Je vous embrasse et je vous dis à demain.